Samedi 9 septembre, l'émission Quelle époque est de retour sur France 2. L'occasion de s'intéresser à Philippe Cavé-Rivière, le trublion incontournable du talk show. Interrogé par Gala, l'humoriste est revenu sur sa rencontre avec sa femme Sarah, avec qui il vit une belle histoire d'amour depuis plus de 16 ans. Après le succès de la première saison, Quelle époque est de retour. Avec 1,2 million de téléspectateurs en moyenne chaque samedi, soit 17% de part de marché, l'émission diffusée sur France 2 s'est imposée comme le rendez-vous incontournable du samedi soir. Samedi 9 septembre, Léa Salamé, toujours accompagnée de son invité permanent Christophe de Chavannes, et des humoristes Philippe Cavé-Rivière et Paul de Saint-Sernin, lancera la deuxième saison de son talk show de deuxième partie de soirée. Interrogée par Éric Dussard et Jade dans l'émission On refait la télé, la compagne de Raphaël Glucksmann est revenue sur sa relation avec Philippe Cavé-Rivière. Globalement, il dit des conneries. Juste avant le générique, tout est prêt, je l'attends. Il débarque toujours à la bourre, avec un scénario de dernière minute. Je comprends une fois sur deux et d'ailleurs je joue très très mal par rapport à lui qui maîtrise son petit sketch. Mais je trouve ça toujours aussi drôle, a-t-elle expliqué. Philippe Cavé-Rivière se confie sur son couple habituellement discret sur sa vie privée. Philippe Cavé-Rivière a accepté de se confier sur son couple dans les colonnes de Gala. L'humoriste et sa femme Sarah, architecte d'intérieur, sont ainsi revenus sur leur rencontre. « Je l'ai rencontrée alors qu'elle travaillait dans l'agence immobilière de mon grand frère, Patrick », a-t-il expliqué. Il était déjà à Paris et redescendait régulièrement voir sa famille, les week-ends ou l'été. Son humour a joué un rôle dans notre rapprochement, bien sûr, a continué Sarah. On a d'abord été copains pendant 5 ans avant de nous mettre ensemble. Si est-il le coup de foudre le plus lent de l'histoire, a ajouté Philippe Cavé-Rivière. Sarah Cavé-Rivière, qui a épousé l'humoriste en 2012, a ensuite évoqué les qualités de celui avec qui elle partage sa vie depuis plus de 16 ans, si est-il quelqu'un de très simple, de très sincère dans tout ce qu'il entreprend. Sa démarche n'est jamais calculée. Aujourd'hui, il a du succès mais ce n'était pas son objectif de carrière. Sa qualité principale, si est-il son côté enfant, a-t-elle confié. Des confidences touchantes. Tears.